J'ai pensé que c'était un fou, certainement un sadique. Quoi. Oh, puis en même temps, il pouvait pourvoler sans aucun. Parce qu'il y avait beaucoup d'Israélites qui l'emmenaient, qui avaient toute leur fortune, qui avaient tout leur avoir, et puis qu'on n'a jamais retrouvé. On a trouvé les bagages, mais rien d'autre. Hein. Je suis allé dans la Chaude-Guerre, il y avait encore sur place deux ou trois crânes, je crois. Il y avait des ossements humains assez importants que j'ai rassemblés pour les faire photographier. À minuit, j'avais fait ma petite enquête quand un cycliste de la police municipale a apporté un télégramme. Ordre des autorités allemandes, arrêtez le docteur Petit au fou dangereux. Un médecin de mes amis est venu un jour me dire qu'il avait entendu qu'un médecin faisait partir les gens à l'étranger pour se sauver des Allemands. On m'a donc présenté le docteur Eugène. Je ne connaissais pas d'autre nom. Il m'a dit, je crois que je pourrais vous faire partir bientôt. Si vous avez des amis à faire profiter de cette occasion, faites-le. Le docteur Eugène lui a donné encore des détails. Si on a de l'argent, des bijoux, il faut faire une ceinture dans une matière imperméable, parce qu'il se peut très bien que le bateau sur lequel on partirait pourrait être torpillé. C'était le seul danger qu'on puisse courir pour ce voyage. Chaque voyageur avait le droit de deux valises emportées. Les dames, un sac à main. Le docteur Eugène est venu les chercher. Ils sont partis à 8h du matin. Le passeur de la famille Baston est venu un jour me voir pour me parler d'une famille de nom, je crois, qu'adorait. Sa femme était polonaise, médecin, et il m'a demandé si je ne pouvais pas le présenter au docteur Eugène. Et alors, il les a vus deux fois. Il ne lui inspire pas confiance parce qu'elle ne peut pas se fier à un médecin qui a des mains sales. J'ai connu le docteur Petiot lorsque j'étais maître d'hôtel à la rôtisserie normande à Saint-Lazare. Il venait comme client et, ma foi, nous avons sympathisé. Un beau jour, comme l'hôtel était occupé par les Allemands, et je sentais que ma présence devenait fatigante à ces messieurs, je me suis dit, attention mon vieux, tu vas être pris. Et alors c'était une marotte, je dis, tiens, je vais voir Petiot, il va me tirer de là. Il me fait, dites-moi, Monsieur Scarella. Il me vient une idée extraordinaire. Alors il prend une allure de conspirateur et il me dit, écoutez, silence. Je ne vous ai jamais dit que je faisais partie d'un réseau de résistance. Mais chut, pas un mot, vous me le jurez. Je dis, mais pourquoi vous pensez? Je remarquais, je dois vous dire en passant, que c'était un bonhomme charmant. Tous les mois, nous avons des bateaux dans la résistance qui partent, qui longent les côtes. Les Allemands le savent et tout, nos hommes qui sont là-dessus ne sont pas dérangés ni rien, je vous glisserai là-dedans et vous allez faire le maître d'hôtel au Brésil. Ça vous dit rien et vous gagnerez de l'or. Ça vous coûtera rien. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier. Il me dit, ben voilà, si vous avez des bijoux, tout ça, je vais vous donner la combine. Vous allez défaire la doublure de votre veston. Vous allez cacher dedans, si vous avez quelques brillants, vous allez faire récupérer votre argent, le mettre là-dedans, votre petite valise, une quinzaine de kilos, et là-bas, moi, je donnerai des ordres et vous serez payé tout de suite et on vous placera dans un hôtel et ceci et cela. Moi, j'étais fier comme Artaban. Je rentre chez moi, je dis, bon, d'accord, je vois ma femme et tout. Ma femme me dit, où qu'est-ce que c'est que ça et comment et pourquoi? Mais moi, ça me dit rien et tout ça. Et puis, j'ai vu que ça marchait pas. Je souffrais d'un mal de gorge et alors j'étais allé le voir en qualité de client et d'ami. Et alors, il m'a soigné. Et quand un jour, son frère vient me trouver et me dit qu'il avait découvert rue Le Sueur un charnier et il comptait un peu sur moi pour l'aider à camoufler cette chose. Mais moi, je n'ai pas voulu me mêler de cette chose-là, naturellement. D'après ce que le frère m'avait dit, il y avait des uniformes allemands, voilà. Il y avait 55 personnes, et moi, je me suis dit, sous l'occupation allemande, on ne peut tout de même pas dénoncer quelqu'un qui est supposé avoir tué des Allemands.